Bonjour à tous et bienvenue sur Piano Louange. Aujourd'hui, nous allons apprendre Mélodie venue du ciel de Marcel Bungou. Donc voilà, nous allons commencer déjà par une petite démonstration et après nous passerons à la leçon. C'est parti. Ce chant, nous allons commencer par la note mi dièse mineur. Alors, on va voir dans un premier temps tous les accords et après on poursuivra. Mélo. Alors, mi dièse mineur. Donc, regardez bien les touches. Très important pour la basse, on va faire mélodie venue, mais il faut vraiment qu'il y ait un rythme de notes en basse, etc. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait mélodie, d'accord. Bon, ça on le verra après, pour l'instant je vous ai dit on voit les accords. Ok, c'est parti. Donc mi dièse mineur. Mélodie. Ré dièse. Venu. Do dièse. Du ciel. Et la dièse mineur. Ça va? Donc. Ensuite. Mi dièse mineur. Na, na, na. Ré dièse mineur. Na, na. Sol dièse. Na, na. Et ré dièse. Et ensuite on finit par la. Mi dièse mineur. Na, na. Ré dièse. Na, na. Do dièse. Na, na. La dièse mineur. Na na na. Do dièse. Na na na. Ré dièse. Na na. Et mi dièse mineur. Donc ça, pour tous les couplets, c'est valable. Ça ne change pas, les paroles seulement changent. Donc après, on a entre les couplets et le refrain, on a deux accords de transition. Qui sont donc Do dièse et Ré dièse. Donc ça fait Sol, Ré. Et après on bat ce refrain. Donc voilà, les accords de transition c'est Do dièse, Ré dièse. Sol, Ré. Voilà, tout simplement. Donc, le refrain, parlons-en. Ré, Sol, dièse, Termin. Ré dièse, La. Dièse mineur, la la la, ré dièse, na, do dièse, na, ré dièse, sol dièse, et on finit par le ré dièse. Voilà, si je vais trop vite, pareil, hein, vous coupez dans la vidéo, c'est à vous de revoir la vidéo, et puis tout ira bien, vous inquiétez pas. Donc après, honneur, sol dièse, et gloire. Ré dièse,
Mais là, on a un petit accord pareil, un petit accord entre le ré dièse et le mi dièse mineur. Ça fait honneur et gloire. Oh, non, non. Donc en fait, voilà, vous êtes sur cet accord-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est décaler votre pouce sur le mi. Voilà, et après, vous attaquez votre mi dièse mineur. Na, 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 na. Na. Et on retourne pour la fin en mi dièse mineur. Voilà pour les accords. Maintenant, il y a la mélodie, parce que vous ne pouvez pas vous contenter de faire que des accords. Vous pouvez, mais ça sera pas vraiment la chanson, quoi. Donc voilà. Donc pour les notes, ça fait Fa, Sol, dièse, Sol, Ré dièse, Fa, Do, La dièse. Deuxième. Fa, dièse, Fa, Sol, dièse, Sol, Ré, La, La, La. Ok. Donc après, on retourne sur la première. Hein, na, 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 na. Et après, na, na, na. Maintenant, ce qu'il faut, c'est combiner cette mélodie-là avec les accords. La basse, ce qu'il faut faire, c'est vraiment pas la jouer na, 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 etc. Non, il faut la etc. Donc ça, c'est vraiment à vous de voilà. Je vais pas vous faire le cours sur les basses. C'est pas compliqué. C'est juste au lieu de faire la note, vous faites note par note. Ta 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 ta. Et après vous attaquez l'autre. Ta 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 ta. Tout simplement. Et il faut que vous combiniez ça avec la mélodie. Donc là vraiment c'est le ressenti. Je vais vous faire un ralenti pour que vous puissiez voir. Et puis après c'est à vous vraiment de taffer ça si vous voulez le reproduire. On revoit ça et après on passe au suivant. Attention. Et après on recontinue l'autre. Ok. Ça va. Na 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 na. Et après pour le refrain, pas vraiment de mélodie puisque bah, moi le refrain je ne fais pas de mélodie. Ça fait ça. Donc j'en vois pas le but d'intégrer de mélodie, vraiment les accords bien plaqués pour suivre la chorale. Si vous êtes musicien dans une chorale. Voilà. Bon, mélodie venue du ciel. Voilà, j'espère que la leçon vous aura plu. Et voilà, vous aviez été beaucoup à me la demander, donc je me suis dit, il faut vraiment que je la sorte, parce que sinon, vous n'allez pas être content. Donc, voilà. Bon, voilà, maintenant, c'est chose faite, et j'espère que franchement, ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, hein, et à partager ce genre de vidéos, vraiment, pour que tout le monde puisse apprendre. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt sur Piano Louange, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Salut, salut !